Il y a un très très grand décisionnaire, vivait il y a un siècle et demi environ, l'avenir Milouim. Il y a une question à laquelle il répond et il envoie la réponse la veille de Soukhot. Il dit comme ça, par rapport, j'ai répondu en retard à votre lettre que m'avait écrite pendant le mois de Elul, c'était au milieu du mois de Elul, concernant une femme Aguna. C'est quoi une femme Aguna dont le mari a disparu et elle ne peut pas se remarier. D'habitude on répond rapidement pour lui permettre de se remarier. Il faut voir si elle peut se marier, elle ne peut pas se remarier, ce sont les questions les plus graves de la Torah. Donc ils l'ont écrit au mois de Elul et répondu qu'un mois plus tard, la veille de Soukhot. Alors il écrit, bien que la veille de Soukhot, on est extrêmement pris, mais je préfère écrire maintenant la réponse maintenant plutôt qu'au mois de Elul. Pourquoi? Parce que dans le mois de Elul, je suis occupé à faire tchouva. Regardez, chers amis, ce grand tzaddik du peuple juif, pour une réponse tellement importante, on veut remarier une femme, c'est super important. Eh bien non, il arrête pour s'occuper de faire tchouva. Alors ça veut dire que nous, maintenant, on doit se réveiller. Comment ça se réveiller? Faire tchouva, peut-être notre chère bien, on espère, durant ces jours-ci aussi. Alors allons-y, prenons du temps, changeons, et comme ça on sera inscrit dans les lieux de la vie. Amen, amen.